Na fa chaman bar bare anti be burula bara tete amuso fe sege chaman ti bana grâce al sutra bi que j'ai eu à faire mon mariage, j'ai eu mon papier du mariage aussi grâce à Minata. La ville de Banfora a évolué dans le système de l'anacarde. Si toute femme burkinabé pouvait avoir cette initiative de créer des micro-entreprises pour employer d'autres femmes, celles qui ne font pas grand-chose, c'est très bien. Je lisais dans un document qu'on m'a remis aux États-Unis que quand on veut combattre la pauvreté, on doit donner le pouvoir aux femmes et les intégrer dans l'économie. L'histoire a commencé par un verger que m'a octroyé ma maman en 1992, ici même à Banfora, pour me demander d'intégrer un peu d'agriculture parce qu'elle aimait ce domaine-là dans mes activités. Donc c'est ainsi qu'on a planter des anacardiers. Pendant les vacances juillet-août 92, en présence de mes deux enfants. Après 15 ans de service au ministère de l'Agriculture, j'ai vu que je pouvais faire autre chose et que les charges familiales et autres que j'avais en face, mon salaire ne me permettait pas de les supporter. Et c'est ainsi que j'ai pris une disponibilité en 1998 et pour voler de mes propres ailes. Ça n'a pas été facile, j'ai fait beaucoup de choses. Je vendais du matériel informatique, je faisais des consultations pour la formation et la mise en place des bases de données documentaires. J'ai fait quand même beaucoup de choses et je fabriquais du mobilier que je vendais. J'ai eu quand même beaucoup d'activités commerciales qui m'ont permis par la suite de penser à transformer la noix de cajou. Bis en duro bobi, yé baradama ne sutra bé ka koroke femina, san jandot meni, anga jiride untura san bagama sorara. Da ama mosor mi menasa. Donc ce travail nous n'en a qu'est soit bouillé, car c'est qu'on a aussi un gardien maintenant boulot, car t'as aussi un mafana, n'est à jeter maintenant t'as quoi, un manquant à quoi d'ignorer maintenant ce travail, parce que aller à yére dit, car qu'à baraquela encore, donc t'as beau bé na sanéke, souvent ça amène à ni, encore yoro finissant ma diawe au tena, mais aller yoro bang,
mimique à Bayel Mayoré en fait. Né à Yale Barakano, Alain a Fafanakabo. Parce que Alain a une usine bla, n'allez une usine démarrer, Fogata San Laban, Alain Barak, et donc Vincent de Segagualambolo. Maintenant, il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Donc, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai été en train de se faire en cours. Donc, au Kamalo, j'ai été en train de se faire. Je lisais dans un document qu'on m'a remis aux États-Unis que quand on veut combattre la pauvreté, on doit donner le pouvoir aux femmes et les intégrer dans l'économie. Notre activité est en grande partie réalisée par les femmes. Je suis bara damne. Je suis bara bandeme. Je suis bara damne. Je suis bara bara anti be borola bara tete amuso fe sega chamanti bana hormis le revenu monétaire que l'on gagne, la satisfaction morale que tu gagnes en voyant que ces femmes viennent travailler, elles trouvent quelque chose à faire, elles trouvent quelque chose à envoyer dans leur famille, elles trouvent de l'argent pour soutenir leurs enfants, payer la scolarité des enfants, payer les frais médicaux. Ça, c'est une satisfaction morale en soi pour nous-mêmes. L'initiative de madame Koné, c'est une bonne initiative. Ça a permis aussi de créer pas mal d'emplois pour les femmes. Ça diminue beaucoup de chômage. Ça permet aussi les femmes de pouvoir faire quelque chose et puis de rapporter aussi un gain de cause pour la famille. C'est une bonne initiative que Mme Koné a fait. Je la félicite. Si toute femme burkinabé pouvait avoir cette initiative de créer des micro-entreprises pour employer d'autres femmes, celles qui ne font pas grand-chose, c'est très bien. Notre intervention avec la Sotriabé, c'est de mobiliser les ressources humaines nécessaires en termes de qualité des ressources pour qu'ils puissent travailler et baisser les coûts et avoir des produits de qualité. C'est de mobiliser les producteurs afin qu'ils puissent apprendre les bonnes techniques nécessaires pour fournir la matière première de qualité. En 2009, j'ai reçu ici la visite du vice-président de Costco et de la directrice des ventes. En 2009, ils sont venus visiter l'usine, bien sûr avec l'USAID, pour voir s'ils pouvaient être distributeurs de mes produits, si on respectait les normes de qualité dans la production et jusqu'à la commercialisation, si nos produits étaient vendables sur le marché américain, si nos produits pouvaient rentrer sur le marché américain. Donc, après la visite, ils nous ont fait des suggestions. Qu'est-ce qu'il fallait améliorer et tout. L'instant de bonheur que j'ai eu depuis cette activité, je l'ai vécu aux États-Unis l'année dernière. Quand nous sommes arrivés à l'USAID et nous avons été reçus par, je crois, la deuxième responsable. Nous étions 46 femmes entrepreneurs venues d'Afrique et à la question qui exportait ces produits sur le marché américain, c'était un silence plat. Et j'étais pratiquement la seule. Je me suis levée, j'ai dit que j'exportais déjà mes produits sur les États-Unis. Et tout le monde était étonné.
Alors la dame me demande de me lever et de me présenter. Ça a été une seconde de fierté, de bonheur de me présenter que je venais d'un pays qui s'appelle le Burkina Faso, que j'étais entrepreneur, que je transformais le cajou. Ça a été vraiment un instant de bonheur pour moi. Nous avons fait le mariage de un peu plus de 60 couples qu'on a mariés ici. Le mariage s'est passé à lui, dans l'enceinte même de l'usine. On a eu à chercher notre papier avec le mari, donc venu déposer, et puis ça a été. Donc vraiment, ça m'a plu beaucoup même. C'est grâce à ce travail que j'ai eu à faire mon mariage. J'ai eu mon papier de mariage aussi. Aujourd'hui, on peut dire que Madame Kone Minata, de son nom, a été vraiment une femme battante. Parce qu'une femme qui réalisait un tel projet, je veux dire qu'elle tient à l'épanouissement de la femme et en même temps lutter contre la pauvreté. Et nos femmes sont la plupart analphabètes. Mais présentement, dans cette usine, elle utilise plus de 300 femmes. Et 300 femmes, chacune de ces femmes sont mariées et ils ont des enfants. Et grâce à Minata, la ville de Banfora a évolué dans le système de l'anacal. Chacun veut sa production parce qu'elle est de bonne qualité. Avant, on ne donnait pas une importance aux noix d'acajou, comme on appelle communément. Mais avec l'événement de Minata, chacun s'est lancé et d'autres même ont planté ces arbres-là pour pouvoir, dans le futur, avoir des bénéfices et sortir au moins la région et la province de la commune dans la pauvreté.